donnes du fromage au chien. Toi, tu bois-tu ton Pediasure? Prends-le. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Parce que là, je veux qu'elle prenne. Son médicament blanc est dedans. Il est 10h20. Le taureau pas pris. Oh, t'es fine. Bravo, ma puce. Bravo. Bon matin. J'espère que vous allez bien. On est dimanche, le 12 septembre. C'est la fête à ma marraine aujourd'hui. Je vais lui envoyer un beau message. C'est ma marraine qui a perdu son parrain le 20 août. Fait que c'est ça doit être un. Ça va être une journée triste. C'est de réaliser que ton mari n'est pas avec toi la journée de ta fête. Donc, on pense à elle beaucoup, beaucoup. C'est ça, j'ai quand même bien dormi. Ouais, ça, j'ai bien dormi. Sauf que Nick est arrivé ici à 2h du matin. On sait pas pourquoi. Il a pas fait de bruit, là. Mais il est pas resté accouché, finalement. Fait que je me demande pourquoi il est venu à 2h du matin. Je me pose encore la question. J'ai hâte d'y parler, là. Parce que là, je comprends pas. Des idées bizarres, des fois, lui. En tout cas. Puis, ben, le matin, Katia, elle voulait pas prendre son jus d'orange. Elle voulait pas prendre son médicament. Fait que go dans le bain. Mais j'ai pas pensé à filmer. Mais là, dans le bain, j'ai réussi à donner le rouge. Mais elle voulait pas prendre son gobelet avec son Pediasure, là. Vous voyez, elle est en train de le prendre. Ben, elle essaye. Fait que, je sais pas pourquoi que là, ces épisodes-là, ils reviennent aussi souvent. C'est rendu quasiment toutes les semaines. Puis, mais là, comme cette semaine, c'est pire parce que là, c'est vrai, son Pediasure, elle voulait même pas le prendre. Et hier soir, on a réussi à donner tard, là. Mais comme là, ça a arrêté à l'école le matin, là. Elle avait pas, il est 4h20 qu'elle était, là. Elle avait pas encore pris son médicament, là. Fait que, refuse la garde avec moi, là. Fait que c'est ça. Fait que là, aujourd'hui, ben, ça va être une journée. Ça va être une journée. Lavage, vidage de la vaisselle. En tout cas, ramassage. Se mettre à jour. Peut-être que si on a le temps, on irait voir Nick monter les meubles parce qu'il a reçu ses meubles du surplus RD. Mais là, il a essayé de les monter, mais il n'est pas capable. Fait que, il faudrait que mon chum aille l'aider. Fait qu'on va peut-être qu'après-midi, on va monter là, faire ça. Fait que c'est ça. Mais hier, c'était vraiment une belle journée. Hein. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée au Vieux-Port de Montréal, mais il y a tellement plein de choses à faire, là. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui coûtent de l'argent, mais si tu veux faire de quoi, tu sais, tu peux y aller puis ça coûte rien, puis il y a des belles, plein d'affaires à voir pareil, là. Vraiment cool. Fait que c'est sûr que le parking, ça coûtait 20$ pour se parquer, mais après ça, on a vu qu'il y avait des parkings qui coûtaient rien pour handicapés. On l'a vu après, on a dit que m'avoir ça, on a été se parquer, là. Mais en tout cas, il reste quand même une très, 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 très belle journée. Puis Kato est tellement fine, ça qu'on dit, là. Elle se faisait promener en auto, promener en poussette, la vie était belle pour elle. Elle est vraiment fine. Hey, maintenant, on a besoin de réussir à changer de couche debout, là, tôt. Parce que là, où qu'on s'est parqué, la petite avait des toilettes, puis on savait qu'on pouvait comme la changer là. Mais là, c'était fermé. On n'avait pas accès aux toilettes. Fait que là, on était pour la changer dans l'auto. Mais là, celle de la poussette, tu sais, elle avait une robe longue. Fait que là, j'ai dit, ah, ben, je vais la changer debout, ça va aller bien mieux. Parce que dans l'auto, on rush, on n'est pas bien installé. Puis, fait que là, là, on a changé debout, là, avant qu'elle rentre, elle s'assise dans l'auto. Tu sais, comme Pamela, la tenait qu'elle reste debout, dans le fond. Puis là, moi, je me dépêche, j'enlève la couche. La robe était toute descendue, on voyait rien, là. Elle se renfile la couche. Mon chum, tu sais, d'un bord pendant que j'attache au bord. Puis, go, c'était fière. J'étais fière de vous autres. On avait réussi à la changer de bout sans trop, debout, sans trop confort après. Tu sais, la couche était bien placée. Puis, on s'en vient des pots. Bon, il est rendu 11h30 déjà. Le soleil sort. En fait, c'était full gris, tout ça. Puis là, il fait soleil. Puis, je pense que ça va être une journée pas pire. Ils vendent beaucoup, par exemple, en tout cas. Et j'ai la fatiguée, j'en reviens pas. Comment j'ai la fatiguée, c'est décourageant. Ouais. Ben, quand on a réussi à lui donner toute sa médication, finalement, mais ça a été à 11h. Ouais, 11h, on a réussi à lui donner. Mais elle a mangé beaucoup de fromage, elle voulait des pinottes, elle se promène beaucoup dans la maison. Fait que ça a réussi à le prendre, mais là, je me dis, si tu sais, à l'école, un matin à l'école, je la réfugie, je la garde vraiment, parce que, regarde, eux autres peuvent pas comme ils te donnent la médication à l'école, là. En tout cas, là, ça, je fais du lavage. Puis, on s'enligne pour aller chez Nick après-midi, là. On s'enligne pour ça. Nakato, tu viens-tu manger? Viens, on va aller manger. Viens. Tu peux tomber de la scène, non? Viens, on va aller manger. Viens-tu? On va aller dîner. Allô? Tu peux me donner la main? Donner la main. Il est maintenant 13h.
Allô, Gatou! Elle a mangé quelques bouchées de pâte, pas beaucoup. Mais elle a mangé du fromage. Puis elle a repris un demi-pédiasure. Qu'on est quand même content. T'es belle! T'as-tu sûr d'aller te prendre en auto? On va aller en auto dans pas long. Ouais, hein? Dis maman, tu t'as lavé ton lit? Parce que là, je trouvais que ça sentait encore le pipi quand on était dans sa chambre. T'as tout lavé au complet, les oreillers, les coussins, le lit au complet, puis la douillette. Ça va sentir bon. Au vent dehors, en plus, là, ça, il vente fort, fait beau. Ça va sentir bon ton lit. Oui. Ça va sentir bon. Oui. Puis nous autres, ben, on a mangé. On nous restait des restes de pâte. Voyons. Au pesto. On a mangé ça. Puis Lucas, lui, a mangé des pâtes aussi. Mais lui, juste des pâtes blanches avec du beurre dedans. Puis tu sais, lui, c'est ça qu'il aime. Fait que notre dîner est fait. Ça n'a pas été trop rochant parce que c'était des restes. Ça, c'est cool, cool. Ça, c'est le fun. Puis là, ben là, c'est ça. Je sais pas ce qu'on va faire. Je sais pas si on va aller chez Nick finalement ou je sais pas quoi, mais là, on est pas mal prêts à partir. Tu sur le divan? Vas-y! Vas-y, on va rentrer! Es-tu? On va aller sur le divan! Ok, tu vas rester dehors! Rester dehors! Ouais. Tu n'es pas allé en dedans! Hein? Oups! Un petit peu, maman, je t'aime! Je t'aime! Katia, rentre-tu chez Nick? Vas-y. Hein? T'es bien installé, là. Tu veux pas rentrer? Bon, Katia est rentrée. Hein? Tu veux l'emmener, il y en a beaucoup de pièces. Et... fait que sa base de lit est montée. Qu'est-ce que tu as dans le lit? Oui, tu peux te coucher. Hein, oui. Fais dodo. T'as un lit, fais dodo. T'es drôle. Hein, oui. Ah. Tu veux pas te coucher dans les lits? Non, tu peux pas faire du dos. Moi, tu vois, j'ai le blabou. Godine bouchée, ça va. Ça va, on est crapané. Hein? Et là, les quatre, t'as pris une grosse bouchée, vrai, tu coupes, là. Ouais, c'est assez, Lucas, là. En même temps. C'est vrai qu'elle est bonne. C'est du sirop avec moins de sucre, quoi. Ça paraît. Hey, mais c'est-tu bon? Je sais même pas comment ils pouvaient faire des crêpes au tambour. Non. Je comprends pas à quel point c'est bon, maman. Tu comprends pas à quel point c'est bon. Ah ouais, j'ai goûté, c'est vrai qu'ils sont bonnes. Ils sont toutes spongieuses. C'est du gâteau, là. Très bon. Un gâteau, t'en veux-tu, toi? Veux-tu goûter? Ouais, mais c'est pas des gars. On dirait. Ça doit être ça. Ça, c'est la table de salon, Annick. Plus dommage. Sur d'elle. Marie-Sati,
Vas-y, Katia. Non, 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 non. Pas ça. Vas-y, sors. Vas-y, il est hâte de partir. Ouais. Belle fille. Es-tu correct, toi, tout ça? Oh! Non, c'est là. Je vais pas y tomber. Je vais essayer, tantôt, c'était mieux. Ah, là, on est revenu de chez Nick. Lucas, ils sont un peu, ça prend pas. Ouais! J'aime mieux pas. Parce que t'as tout ton beau linge. Sinon, il faut que tu te changes, t'habilles en vieux. Non? Hey, ça m'a rendu tellement heureuse d'aller marcher après ce fruit là. Je me demande pourquoi on le fait pas le plus souvent. Puis tu sais, voir le quai qui marche avec nous en haut, puis oh, ça m'a fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Fait que faudrait que ça soit à refaire plus souvent. Tu sais, ça m'a mis tout de bonne humeur là. Puis là, ben c'est ça. Là, il est 7h15, puis je viens me bercer tranquille sur mon patio, ma terrasse en haut. Puis je regarde le ciel, la lune. Mais là, on va aller coucher Cathy avant pas long, là. Mais elle veut pas prendre ses médicaments encore aujourd'hui, ni de Pediasa. Fait que, non, mais tu donnes son médicament de rouge de force. Puis le Pediasa, je vais faire comme hier. Je vais lui donner quand elle va dormir. Fait que je sais pas comment ça va être demain. Je sais même pas si je vais être capable d'envoyer à l'école. Mais c'est ça, sinon, elle dort pas. Elle tremble un peu, mais pas tout le temps. Fait que, mais tu sais, en gros, elle fait ses affaires normalement, là. C'est juste qu'elle boit pas, puis Ben, mange du fromage. Hey, je viens vous dire bonne nuit. Il fait noir. Je sors du bain. Katia a finalement pris ses médicaments. Comme je pensais, en dormant, elle finit par les prendre. Fait que c'est quand même stressant, mais elle finit par les prendre. Elle les prend plus tard que d'habitude, là, mais en tout cas. Avec là, ben, je vais me coucher. Je vous dis bye bye. À demain. Merci d'être là. Je vous aime fort. Bye.